Yep, salut tout le monde, c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario The Origami King. On avait débloqué les deux gros vases à côté avec de l'eau. On a débloqué la gueule justement de l'esprit de l'eau au milieu. Donc on va voir ce qui se passe. Donc à mon avis, on va se faire le boss maintenant. On peut pas aller dans l'eau? Non. Ouh, la petite cinématique sympa là. Ouh, c'est bien fait. Hein. Waouh, on a l'impression d'être dans un boss de l'eau, dans le temple de l'eau de Ocarina of Time. J'ai oublié son nom d'ailleurs, ce boss là. Ouh là. Moi, vu que je suis fait de papier, c'est pas terrible quand même. Hein. Ah, l'esprit est en origami lui aussi. Comment est-ce qu'il a bien pu se retrouver plié comme ça? Il n'a pas tout de même la même tête que la statue de l'entrée. Il n'a pas du tout la même tête, pardon, que la statue de l'entrée. Il faut qu'on l'aide à remettre les choses à plat. Pas mal comme jeu de mots. Du coup, boss time. Yes, on commence cet épisode avec un boss. C'est sympa. On va s'amuser. Donc on va devoir découvrir comment le vaincre. Waouh, regarde ces trompes d'eau. Je m'attendais bien sûr à ce que l'esprit de l'eau sache contrôler l'eau, mais pas comme ça. Levé de trombe, ok. Donc je vais pas pouvoir aller à cet endroit là. Utiliser les flèches, donc ouais, les flèches on savait comment s'en servir. Là on va devoir... On va aller tout droit ici. Est-ce qu'on peut déplacer un truc là? On va le mettre sur on. Et on a deux autres déplacements à faire. On va faire ça. Et ça. Essayons. Ok, il a dégagé des trucs. Oh non! Les panneaux se sont fait emporter par le tourbillon. Par les tourbillons. Arrête l'esprit de l'eau. Nous sommes là pour t'aider. Ah. Donc on va récupérer ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? Si l'esprit de l'eau prend son envol... Rabattez-le au sol d'un seau. Puis assénez-lui un coup de marteau. D'accord. Donc on active ça. Du coup, on va pouvoir l'attaquer avec ça directement. Pouvoir. Hop, de l'esprit. Ouh, de l'esprit de la terre, carrément. Ah, mais je vais pouvoir l'enchaîner là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça n'a absolument rien fait étant donné qu'il volait déjà. Très bien. Tour de l'ennemi, bah il va me mettre mal. Hein. Non! Arrête! Ah bah c'est bon. Ok, donc de base il faut que je saute dessus pour le faire tomber. C'est une chose. Par contre, de ce que j'ai pu remarquer, les tourbillons qui balancent au sol. Par contre, il s'est concentré en eau là. Tu n'as pas toi aussi cette impression que l'esprit de l'eau s'est gorgé d'eau? Bah si, totalement. Il a absorbé cette eau comme une éponge. Ouh, ça va être dangereux. Ok, donc les tourbillons, ils partent dans cette direction là pour pouvoir dégager tout ça, très bien. Donc là il va falloir que je l'attaque. Je vais essayer de l'attaquer par derrière directement. Donc là ça me demande d'aller à gauche. On va continuer comme ça pour aller à gauche. Sauf qu'il va falloir que je lui dise d'aller à droite là après. Oh, mais ça va pas le faire là. Je vais mettre ça comme ça. Si je fais ça comme ça, ça le fait comme ça. Ok, let's go. Ça sert à rien de l'activer, mais c'est pas grave. Hein. Et tac. Ok. Donc là, faut que je saute dessus. On va prendre directement les bottes de fer, ça va lui faire mal. J'espère que ça va lui faire mal. Boum, boum. Ok, il est tombé. Maintenant je vais pouvoir l'attaquer avec un marteau. Ouf. Il s'est encore gorgé d'eau hein. Il gonfle hein. Ok, il y en a 3 maintenant. 4. Alors, est-ce qu'on va aller à gauche ou est-ce qu'on va aller tout droit? Si je me mets là...
fais ça, si je me mets ici. Ah, ça va pas le faire là. Donc du coup, ça, si je le mets ici, si je mets ça comme ça. Alors, ça va pas le faire non plus ici. Au final, il faut que je lui demande d'aller en avant là. Et de là, faut que je lui demande d'aller à droite. Why not? Et de là, je lui demande d'aller par là-bas. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Si je te demande de continuer d'aller tout droit. Et qu'après. En fait, faut que je fasse. Bon, ça. Je sais pas trop. On va voir ce que ça donne, hein. Ok, et donc là, marteau. On va utiliser évidemment un marteau brillant. Bam! Ok, il l'a senti. Waouh, 24, j'ai pas eu le temps de me protéger. Il se renvole, super. Le ventre de l'esprit de l'eau est gonflé à craquer. Il nous mijote quelque chose, Mario, sois sur tes gardes. A mon avis, il va me cracher de l'eau, hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, on a toujours 4 tourbillons ici à esquiver. Faut qu'on récupère le cœur là-bas pour récupérer nos points de vie. Donc il va avancer, ensuite on va aller derrière. Donc il va falloir que je change ça. On va le mettre là. Voilà, on le met comme ça. Ok, ça veut dire que là on va arriver là. Donc il faudrait... qu'on fasse ça. Non. Il faut que lui soit ici. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Déjà, l'attaque. Il faut qu'on l'attaque. Est-ce qu'on l'attaque par devant? On peut pas l'attaquer là, c'est sûr. Alors, si je te demande de faire ça. En faisant ça, on va garder le cœur. Ok. On va pouvoir attaquer du coup là, comme ça, directement. Et on va voir si on peut récupérer un autre item, genre celui-là. Comme ça, pour faire un x2. Peut-être une idée, on va voir. Donc principalement, on va se faire plaisir avec le cœur, déjà. Ensuite, x2, et on attaque. Et là, il faut qu'on lui saute dessus, donc botte de fer. Hein. Nice. On lui a fait un peu de dégâts. Normalement il tombe pas. Très bien. Oh. Wow. Kof kof, eh bien cette vague était énorme. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il nous refasse le coup. Il faut qu'on trouve un moyen de se protéger d'ici là. Ah, cette attaque a visiblement épuisé l'esprit de l'eau. Profitons-en. Profitons de cette occasion. C'est justement à cette occasion qu'on va devoir utiliser le pouvoir hein, de l'esprit. Hein. Donc pour utiliser le pouvoir de l'esprit, on va lui demander d'aller à gauche. De faire... non, j'aimerais bien récupérer en fin de compte le petit cœur ici, là. Ok. Et pourquoi pas ça directement? On va regarder. Clac, 50 points, c'est bien. Tour de Mario, pouvoir de l'esprit. Donc ça c'est le pouvoir de l'esprit de la Terre. Hein. J'espère qu'en le faisant rebondir, on va lui faire un gros dégât. On va bien voir. Hein. Kaboom! Ouh, 25. C'est pas beaucoup 25 en vrai. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Tour de l'ennemi, donc là il va se remettre bien. Il est trop épuisé pour attaquer. Ok, donc on va pouvoir re-attaquer. Donc si on peut re-attaquer, on va essayer d'attaquer. Attends, il se remet. Il vole. Oh, il vole. Mince. Aïe, 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 aïe. Oh là, mais il y en a combien de ces trucs-là? Il y a tellement peu de place où on peut l'attaquer maintenant. Donc au final, ça, je vais être obligé de le mettre là. Bah, en vrai, là, on est bien, là. Hein.
Je vais mettre ça ici. Comme ça, on a une info en plus. Bon, allez, c'est tout. Hein. Comment on fait pour dire que c'est tout? Confirmé. Très bien. Alors, il dit quoi? Ok, donc le même message que tout à l'heure. Donc on va le faire tomber, botte de fer. Ok, pas mal, pas mal. Il redescend et donc là on va pouvoir l'attaquer avec le marteau. Ou alors, j'ai oublié de me protéger, très bien. Ou alors on peut l'attaquer directement avec un pouvoir de... Avec le pouvoir. Faut qu'on regarde si on peut. On va pas y avoir beaucoup de zones où on va pouvoir attaquer. Hein. Si je fais ça, ça. Ah mais le on-off il est là. Terrible. Comment on va s'y prendre? Je vois pas comment on va pouvoir s'y prendre là. Il y a très peu de zones où on va pouvoir l'attaquer en fait. A mon avis, je pense que je vais juste l'attaquer comme ça en fait. Hein. Donc là, je vais prendre un x2 pour lui faire plus de dégâts et du coup, je vais faire ça. Hein. Parce que là, il n'y a plus rien. Et du coup, on va l'attaquer avec le marteau brillant. Pas le bien, fallait faire un excellent là. Ah, j'ai pu me protéger. Alors, où vont être les zones où je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a un cœur, faut qu'on essaie de le récupérer. Ah, il n'y a plus grand chose, il n'y en a plus que 4. Ok, de toute façon là il faut que je lui saute dessus pour le refaire descendre. Donc il va falloir que je déplace ça en premier. Si on met ça ici. Ou alors on le met là. Fais voir d'abord. Non, si je te prends ça. Ok, on a le cœur qui est ici. Du coup là on va pouvoir monter. Et on a de la place ici pour monter. Donc on va prendre le x2. Et ensuite on va faire attaque. Voilà, comme ça je vais récupérer le cœur. Clac. On se remet bien. x2. Et on attaque avec les bottes de fer. Mais je clique pas au bon moment. Ouf. Ok. Mais il se renvole à chaque fois, il est chiant. Oui, c'est au moment qu'il a, il a grossi, j'ai vu, j'ai vu. Si tu ne trouves pas un abri, ça risque de mal tourner pour nous. Ah. Ouais, mais où est-ce qu'on peut avoir un abri en fait? Utiliser les flèches, je veux bien. Mais il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri. Du coup. Comment on va s'y prendre pour le coup? Si je mets ça sur on. Ok, on peut faire ça. Alors, pas l'esprit de la terre, ce serait bien d'avoir celui-ci pour attaquer. Sauf que lui, il faudrait qu'il se mette là. Ça va pas le faire, hein. Je peux que le laisser là en fait, celui-là. Hein. Est-ce qu'il nous fait faire demi-tour? On arrive sur une boucle sans fin là, si on fait ça. Là on remonte. Attends. Remets-le bien. Tu remets ça ici. Ok. Ok. Ouais, je vais plus avoir le temps de toute façon. Écoute, on va faire ça. On verra. À mon avis, c'est pas bon ce que j'ai fait, mais. En fait, je vais pouvoir activer le pouvoir, c'est ce que je cherchais à faire. Et voir si je peux l'attaquer de là où je suis en fait. J'espère juste que je suis pas trop loin.
À mon avis, je suis un cran trop loin du coup. Hein. Agrippé. Ah, je peux même pas l'attaquer comme ça. Ok, les bras multipliés ne peuvent pas l'attaquer quand il est en l'air. Bon, on va prendre cher du coup. Hein. Ok, j'ai pu me protéger un tout petit peu. Mais ça pique. Hein. Donc là, il est fatigué, je vais pouvoir l'enchaîner. Ça va être bien. On va également en profiter pour récupérer les cœurs. Donc là, on va à gauche, on remonte. Ce qui pourrait être bien, c'est... Je pense qu'on va attaquer avec le marteau. Hein. Donc, on va faire ça. Je vais reprendre l'enveloppe, mais à mon avis, l'enveloppe ne nous servira à rien. Quoique si je fais ça. Je fais ça. Non, ça ne fait pas ça. Faut que je garde le cœur ici. Ok. Ouais, on va virer celui-là. Le marteau, ça devrait lui faire pas mal de dégâts. Hein. Ok, 30 points de vie en plus. Ok, profitez de la fatigue de l'esprit de l'eau après son tsunami pour attaquer avec les bras multipliés. Très bien. Bon, bah, on le fera juste après. On le fera juste après. Un super, bon, c'est pas terrible mais bon. Et trop épuisé pour attaquer, très bien. Donc là, il faut absolument qu'on l'attaque avec les bras multipliés. Non, il... Oh! C'est pas grave. Faire ça. Voilà. On a que ça à faire. Ça se trouve, quand je vais lui sauter dessus, ça va lui faire tellement mal qu'il va mourir, mais à mon avis, j'y pense pas. Essayons d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. Ok, bon, je lui ai pas enlevé tous ses points de vie, mais je lui en ai enlevé quand même pas mal. Botte de fer hors service, très bien. On s'en fiche. Bonne garde, bravo. Donc là, il prend de l'eau. Il reste au sol, très bien. Il y a encore de l'eau qui se propage un peu partout. Ouais, j'ai bien fait de faire ce boss pour cet épisode-là parce que ça dure assez longtemps. Hein. Donc là, on va pouvoir remonter. Mais si je fais ça, on remonte à ce niveau-là. Très bien. Si on remonte à ce niveau-là, on va pouvoir lui donner... Aïe, pas ça que je voulais faire. De toute façon, là, je suis obligé de faire ça. Sauf si je lui demande d'aller directement en avant. On peut lui demander d'aller directement en avant aussi, ça pose pas de problème. Si on fait ça. Et que nous derrière. Alors, please, please. Voilà, et qu'on fait ça. Oui, ça marche aussi. Hein. Il est encore au sol, donc coup de marteau. Et on est bon. Normalement, on a terrassé le boss. Marteau brillant. Paf! Il est mort. Oh! Il se transforme en confetti quand même. Hein. Et ben voilà! Mmh. Alors est-ce que du coup on va avoir le droit à une petite danse? Comme avec l'esprit de la terre? Un bouquin, on va apprendre à plier. Oh, regarde Mario, l'esprit de l'eau s'est métamorphosé en codex, tout comme le précédent. On peut récupérer des trucs dehors? Non. Il n'y a rien ici, donc on récupère ça. Codex, à quoi? Voyons voir. Hmm. Ah oui, je vois. D'abord, on marque tous ces plis-là. Ensuite, on rabat cette partie, on retourne, on pivote, on plie et replie. Youhou! J'ai démystifié les plis du grand esprit de l'eau. Allez, essayons ce nouveau pouvoir, j'ai hâte de voir ça. Regardons.
Donc là c'est Power Rangers hein. Sympa. Eh bien, est-ce que j'ai aussi fière allure que l'esprit de l'eau? J'ai l'impression d'être très très hydraté, surhydraté, je déborde, je me répands, c'est le déluge, recule. Oh. Très belle animation, hein. Nice. Tu m'as regardé, dis. J'étais comment? J'avais la classe, hein? Tu trouves que j'avais la classe? On va pouvoir remplir le lac asséché sans problème maintenant. Hihi. Eh ben allons-y. Voyons voir si on peut faire ça. Alors du coup, au niveau de la map. Ici, il va nous manquer des blocs cachés. Enfin des blocs points d'interrogation à frapper, hein. On m'a dit dans les commentaires que j'allais pouvoir trouver un objet qui allait me permettre de les trouver, ces blocs-là. Donc, on verra plus tard, je pense, pour aller retourner ici et rechercher ces blocs-là. Quand on aura tous les accessoires nécessaires pour chercher tout ce qu'il nous faut. Hein. On pourra s'amuser à faire ça. Ok. Je viens de se regarder, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a Bobby qui nous attend dehors. Bobby, tu es là ! J'étais sûr que tu serais allé te perdre quelque part. Tu as raté quelque chose. L'esprit de l'eau était super cool. Et on a un nouveau pouvoir. C'est vrai. Tu dirais que l'esprit valait le détour. Mais il contrôle juste l'eau, non? Bon, si l'occasion se présente à nouveau, j'essaierai de le voir moi aussi. Oh, l'occasion se présentera bientôt. Ne t'en fais pas. Hé. Retournons au lac et montrons-lui. Allons-y, mon petit pote. Hop là. Alors. Donc deux souvenirs. Alors non, c'est pas par là-bas. Je pense qu'il faut que je prenne le tuyau pour retourner en arrière. Voyons voir. Bobby il a du mal. Voilà, c'est bon, il arrive. Est-ce que c'est bien par là qu'il faut passer? Yep, c'est bien par ici qu'il faut passer. Jump. Même pas mal. Donc le pouvoir il est là. Let's go. On va le relaisser. C'est stylé quand même hein. Qui sera encore plus stylé, c'est qu'on trouve sur internet, je suppose que ça se trouve, hein, des gens qui ont fait les vrais origami de ces personnages-là. Oh la vache, mais l'animation de l'eau est tellement belle, quoi. Waouh. C'est beau. Bon, elle est toujours polluée, l'eau, à cause des boîtes de conserve, mais bon. Waha ! Alors, Bobby ! Qu'est-ce que tu dis de ça? T'as déjà vu autant d'eau de ta vie? Maintenant, on peut utiliser la barque et suivre le serpentin bleu. Ça pourrait être cool, c'était cool. Désolé d'avoir douté. Je n'oublierai pas cette journée de sitôt. Alors, on va passer, on va faire le tour parce que par ici, on a des choses. Notamment un coffre et on a également un Toad. Je le vois, il est là. Viens là. Il y en a un autre, ça, sur la caisse. Merci de m'avoir secouru. Quoique, c'est plutôt confortable là-dedans. Un peu comme dans un cocon, mais hyper serré. Monte, monte. Mais non, mais je veux pas te parler à toi, va-t'en. Ok. Oh. Jump. Toad. Merci, tu as sauvé tous les Toads du mont Evermeil. Il y a un truc simple pour le savoir. Tu vois, l'écran de carte t'indique le pourcentage de Toads secourus dans chaque zone. Chouette, non? Ah ça je sais, hein. Ça fait un petit moment qu'on regarde d'ailleurs. Ok, il y a plein de piécettes là sur le côté. Donc, là déjà on a un coffre, on va aller le récupérer.
Nice. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le Todd chercheur en chef. Très bien. Et on a trouvé tous les mini-trésors. Nice. Ah, et on a trouvé... Enfin, on a rebouché tous les trous. Oh, un marteau pilon. Nice. Oh, c'est quoi tous ces Todd là? Youhou, Mario. Ah ah, super. C'est beau la nature. Très bien. Un autre affaire par ici? Non. Faut voir la map. 90% des taux trouvés, bloc frappé, 83%. Pas mal de choses à faire dans cette zone là. Hein. Du coup, au niveau des armes, on va aller équiper le marteau pilon évidemment. Et on va rééquiper. Des bottes brillantes. Voilà. Ça en est bien. Donc maintenant qu'on a fait le tour par ici. Donc ouais, là il n'y a rien à faire. On peut redescendre pour avoir des pièces derrière, mais c'est pas très intéressant. On va prendre la barque du coup pour aller chercher le serpentin bleu. On a toujours le singe à gauche là. Hein. Il s'en va à chaque fois. Je sais pas comment on peut l'avoir. Ah, il me voit à chaque fois, hein. Je sais pas du tout. Hein. Je sais pas comment on peut l'avoir celui-là. Mais non, mais... J'avais compris que c'était des boîtes de thon. Bon, on entre dans la barque. Youhou, on peut suivre les serpentins bleus maintenant. C'est parti! Oh. Donc, ça a pas l'air évident. Je peux essayer? J'aimerais me faire pardonner de vous avoir abandonné devant le sanctuaire. Il a pas de bras. Ha! Problème, j'ai pas de bras. Quoi? Après tous ces efforts, c'est une rame qui nous tient en échec. Il n'y aurait pas quelqu'un dans le coin qui pourrait nous aider à ramer? Bah tiens, le singe là-bas. Et si on demandait au petit singe remuant là-bas? Hic hic! Bonjour petit singe, tu ne saurais pas où on pourrait trouver un canotier dans le coin? Ouf. Aïe, mais arrête! C'est comme ça que les singes disent bonjour? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Oh non, il a filé! Il a même pas répondu à mes questions! Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il a jeté une conserve, c'est déjà une réponse en soi. Peut-être, laissez-moi tranquille! Tu parles même pas le singe, par exemple. Botte de thon. Très bien. Bon, on va aller rechercher le singe, du coup, il est parti par là-bas. Probablement qu'on va pouvoir l'attirer avec la boîte de thon et du coup en faire ce qu'on veut derrière. Je suppose, hein. Alors, où est-ce qu'il est allé? Ah tiens, là-bas, ça dort. Parlez. Me suis endormi. Je suis venu faire la fiesta. Ou quelle est cette fiesta? Incroyable, il sert à rien lui. Ah bah tiens, il va falloir faire une offrande ici. Ah ah, trouvé! Tu pourrais essayer de donner quelque chose au petit singe. Tiens. Ça alors, il aime pas le thon en boîte? Peut-être que le problème c'est qu'il n'a pas de fourchette. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, il me suit! Donc là on peut rien faire pour l'instant. Ok, il va falloir qu'on ouvre la boîte. Donc la fiesta, la dernière fois qu'il y avait du monde, c'était par le bas. Hein. Là, il y a un ennemi, il faut faire attention. Il n'y a rien sur ces coins-là, il y a encore une piécette. Il y a un petit bonhomme là-bas, on va faire attention. En bas, il n'y a rien. Hein. Donc, le chemin, ça va être à droite, techniquement. Là. Celui-là!
J'ai apporté le manger. Ah, bienvenue à la fiesta de conserva, amigo. Je t'attendais. C'est quoi ça, des raviolis? C'est ravissant. Prépare-toi à t'éclater jusqu'à l'épuisement. Il ne manque plus que l'amigo responsable de l'ouvre-boîte. Après, ce sera fiesta, fiesta. Bah, il est où l'amigo de l'ouvre-boîte? Où est-ce qu'on va trouver ça? L'amigo de l'ouvre-boîte. Bon, on va devoir chercher. Hein. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce bonhomme? Oh. Combat par vague, je sais pas ce qui m'a attaqué. Ouh là, ils sont nombreux. Combien de déplacements? 3. Ok, donc ça va faire ça. Non, peut-être pas. Comme ça? Comment on va faire? What? Si je te... Mais je sais pas comment faire là. Laisse-moi réfléchir. 3 déplacements. Aucune idée. Oh, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire en 3 déplacements là. C'est pas grave. Mode voyante. Je sais pas si je vais pouvoir attaquer les deux là. Ah oui, ils sautent aussi par-dessus, très bien. Mode voyant de son hors service. Eh, pas mal Bobby, hein, pas mal hein. C'est nul ça monsieur. Attaque bonus. Et puf. Par contre Bobby il a foncé sur le masque là mais là il est fatigué hein. Très bien. Donc là combien de déplacements? 3 aussi. Donc je suppose qu'il va falloir qu'on fasse ça. Qu'on fasse ça. Et qu'on fasse ça. Voilà. Là par contre pas le choix, botte de fer, parce que derrière il y a les ris. Tac, 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 tac. Perfect. Ah bah c'est terminé. Très bien. Allez, donne-moi tout ça. Parlez. Ils sont pas bien à m'encercler comme ça, ces arbis. Eh, je cherche une fête. T'aurais pas vu une fête? Tu m'aides à trouver, s'il te plaît, monsieur. Ok, donc c'est lui le truc de l'ouvre-boîte. Très bien. Je récupère les piécettes. Très bien. Et puis lui, du coup, il va pouvoir ouvrir notre boîte de thon et on va pouvoir donner le thon au singe, quoi. Non, 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 non. C'est ici, bonhomme. Ah, ma fête. C'est bien, monsieur. Ah, ça y est, on est au complet. La fiesta de conserva va pouvoir commencer. Oura! On va ouvrir la conserva. Tu ne nous résisteras pas. L'ouvre-boîte, tu vaincras. Ouvre quoi? Oups, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Amigo! Tu avais une mission, une seule. On avait même fait une réunion spéciale pour ça. Comment on fait maintenant? Nous pour notre fiesta de conserva. On a faim, on a faim. Les ouvre-boîtes, c'est pour les faibles. Je suis pas un faible. Bravo champion. Avec un râtelier pareil, on va pouvoir ouvrir les conserves à la chaîne. La fiesta de conserva peut commencer. Tiens, j'ai une boîte à ouvrir. Les conserves, je croque dedans comme dans la... comme de la guimauve. Comme dans de la guimauve, pardon. Vous en avez une qui vous résiste? Tiens. Nice, boîte de thon ouvert. Merci bonhomme. Des conserves, des conserves. Je vais ouvrir des conserves. Du coup, est-ce que je peux manger ce qu'il y a dedans là? Non? Non. On va les laisser tranquilles. On va retourner voir le singe là-bas. Maintenant qu'on a notre boîte de thon ouvert. Est-ce que ce sera suffisant pour continuer? Tiens. Ben voilà. Et voilà. En voilà un qui aime le thon. Il ne mange pas, il engloutit. J'espère que cette fois, il ne détalera pas. Redemandons-lui
s'il sait où trouver un canotier. Ikikikikikikik. Miam, le thon, c'est trop bon, le thon. Y'a que ça de vrai. Mais c'est Mario. Merci petit gars, et désolé pour mes bêtises de tout à l'heure. C'est qu'à force de faire le singe, on finit par prendre pli. Beat you. Je suis le Todd Canotier, le seul et unique guide rameur diplômé du Mont Evermeil. Guide? Rameur? Tu es un rameur? Dire qu'on voulait justement te demander où en trouver un. Et donc, tu saurais manier la rame de la barque qui est sur le lac? Pour sûr! Pourquoi voulez-vous faire un tour sur la rivière? Ce serait de bon cœur et offert par la maison. Je m'en retourne à mon quai. S'ils avaient besoin de moi, c'est là qu'il faudra me chercher. On va enfin pouvoir remonter la rivière en barque. Nice. C'est si bon que ça le thon. Je devrais essayer de, pour goûter. Le thon, c'est pas mauvais. Le thon, j'aime bien. Tu prends une petite boîte de thon. Tu te fais du riz. Tu te fais des œufs durs. Tu te mets du maïs, un peu de tomate. Tu te fais une petite salade de riz comme ça. C'est trop bon. Avec, énorme, avec une petite sauce maison. Avec... comment? Du vinaigre balsamique. Ça, c'est bon. Un peu de moutarde. De l'huile, parfait. Oui, prêt à embarquer. Parfait, alors on saute dans la barque, puis on largue les amarres. Youhou, une balade sur l'eau. Souk ferme, amiral. Pagaie dans le marais. Fais un radam avec la rame. Avec ta rame. Un ramdam. Sympa. On peut nettoyer toutes ces boîtes de conserve, hein. Ça fait vraiment pas propre. Hein. Ramer, ramer, toujours ramer, rien de tel pour la santé. Le bonheur, c'est de naviguer. J'arrive pas à lire en même temps. Enfin, j'arrive pas à le lire dans le même rythme. Hein. Ah, rien de tel qu'un instant de détente après une journée stressante. C'est moi qui dirais le contraire, pardi les singeries, ça fatigue. C'est sympa. Le petit point de sauvegarde. Très bien pour arrêter l'épisode ici. On va voir où on va en être par contre. Rivière Folio. Est-ce que c'est moi ou on va plus vite, de plus en plus vite? Bien vu, on est presque au rapide. Accrochez-vous, Moussaillon, ça va tanguer. Tanguer? Moi qui croyais qu'on avait embarqué pour une croisière tranquille, j'ai le mal de mer. Oh, quelle poule mouillée. Profite des sensations fortes. Ça te forgera un peu le caractère, eh. Oula, son rapide, c'est rapide. À croire qu'on a déversé des trompes d'eau dans le lac et puis que ça déborde de partout. Hein? Non, ce n'est quand même pas... Je ne savais pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hé, Mario, je vais avoir besoin de tes talents marins, tes talents de marin. Indique-moi par où passer, Moussaillon. Ok. Essaie pas de nous envoyer dans les rochers, hein. Un choc de trop et on finit au bouillon. Ok, je vais devoir guider la barque. Ah, puis tu pourras pas ouvrir ton menu pendant la phase critique. Garde l'œil sur les rapides, compris? Accrochez-vous, marin d'eau douce. C'est parti. Bah, let's go. Alors, on peut sauter. On peut lancer des confettis, apparemment, aussi. Non, c'est pas si simple de... Bouger la barque là. Vas-y les pièces là. Il y a un rocher, fais attention. Oh là bas, il y a la grosse pièce là. Est-ce qu'on peut la récupérer la grosse pièce? Ouf. Je suis un peu trop gourmand. Hein. Mon cœur s'emballe. Ok, on a récupéré la piécette. Oh!
Bah ouais, mais je rebouche le trou là. Ça serait bien qu'on fasse tout d'un coup. Par contre, ouais, là c'est les rapides là. Oh là, oh là, oh là. Attends. Doucement. La pièce là-haut, on la prend pas. On s'en fiche. J'espère qu'il n'y aura pas juste un score à faire à la fin avec les pièces. On verra bien. Là, je suis à la recherche des trous qu'on pourrait reboucher rapidos là, avec les confettis. Il y a un trou là-bas. Ah, il y a un trou là-bas. Ok, c'est bon. Petit cœur. Nice. Oh, on a eu les deux. Regardez-moi ça, c'est beau ça. Ok, il y a un tronc. On fait attention au tronc. Apparemment, ce tronc-là, il se déplace. Donc, on fait attention ici. Attends. Ah, il y a un trou là-bas. Juste un coup, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant, juste un coup. Wow, on a récupéré plein de pièces. Oh là. Un ébouli. Wallé. Voilà. Vas-y, descend. Nice. Oh, il y a un trou là. C'est pas grave. J'ai rebouché le trou au moins. T'as un cœur là-haut, tu vas pouvoir le récupérer. C'est bon. C'est pas évident, hein. Moi qui pensais qu'on allait arrêter là l'épisode, finalement. Ah! Boum, en plein dans ma mouille. Allez, c'est pas grave, on descend. Tiens. Hop là. Oh, là-haut. Nice. Vas-y, tiens. Oh là. Aïe, bah oui, forcément. Ouf. Attention, les piécettes, là. Nice. Oh, tourbillon, fais attention. Oh là. Ah, il faut juste que je fasse monter, descendre. J'ai tendance à vouloir aller à gauche et à droite, alors qu'il faut pas. Il y a un trou, là. Tiens, vas-y, deux. Du coup, c'est suffisant, très bien. Aouh. Tiens, prends le cœur là. Nice. Qu'est-ce qu'il y a un autre trou à boucher quelque part là? Arrêtez. Pour le mur, quand même. Ok. Là, c'est un sacré tourbillon qu'on a là. Mais. Il est bourré, hein. Le cadetier, il est bourré, hein. Mais ça... Ça suffit. Est-ce qu'il y a un trou? Oh, il y a un trou là-bas. Ah, ça va être chaud pour y aller. Ah, c'est mort. À mon avis, c'est mort, on passe pas. Ah, si, on peut passer par là. Mais non, mais ça suffit. Bon, là, je me prends un coup, c'est fini, hein. Faut connaître le chemin par cœur pour pouvoir boucher tous les trous sans être obligé de refaire ce chemin-là. C'est quand même ballot de devoir recommencer, mais c'est pas grave. Au moins vous allez avoir un épisode un petit peu plus long, je dirais. Alors je sais pas, bah non, je reprends ma dernière sauvegarde, donc forcément tous les trous que j'ai bouchés ne comptent plus. On peut pas appuyer sur pause, hein, de toute façon, là. Ok. Bon bah c'est reparti, hein. Et on va essayer de se faire toucher le moins possible. Quand même essayer de récupérer la pièce là-bas. Mais c'est chaud parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est absolument compliqué d'aller chercher la pièce ici sans se faire toucher. Hein. Ok. Très bien, donc la confetti. Nice. C'est bien, on s'en met plein les fouilles au moins. Du coup, j'ai pas regardé si vers le bas, il y avait... Chose à reboucher. Non, il n'y a pas à reboucher ici. Hein. Ok. Piécette là-bas, on s'en moque. On va juste récupérer le cœur. Ok. Là-bas, il y a de quoi reboucher. On y va. Tiens. Un seul suffisant. Très bien. Un cœur en plus. Good.
Et la grosse piécette en bas, mais je sais plus s'il y avait un truc en dessous. Bon, on a cassé la... On a cassé le tronc, c'est pas grave. Là où il y a de quoi reboucher. J'ai cru que c'était pas suffisant. Hein. On a encore récupéré plein de piécettes. Ah oui, c'est là où il y a les éboulis. Faire attention. Alors, on va rester en haut pour éviter le caillou. Ok. J'ai les yeux grands ouverts pour regarder où il faut aller. Là-bas, 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 là-bas. On l'a eu, c'est bon. Là, il y en a un. Te prends pas de mur, s'il te plaît. Qu'est-ce que je viens de dire? Je t'en veux pas, c'est pas grave. Ok, on l'a eu. On récupère le cœur ici. Et évidemment, on va... Ouais. C'est compliqué hein, de se déplacer ici. Hein. Et là, on va récupérer plein de pièces. Okay, on monte. On descend. On monte. Là, on reste vers la hauteur. Très bien. Ça m'enlève juste un cœur. Ça va, ça va, ça va. Ça m'enlève juste un cœur. C'est pas grave. Ok. On va récupérer le cœur ici. Je crois que là, faut monter hein, maintenant. Ouais, faut monter. Quoique non, faut suivre le tourbillon en fin de compte pour pouvoir monter. Ça faut suivre le tourbillon. Vas-y, monte, 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 monte. Voilà, continue de monter par là. Pas mal, pas mal, pas mal. On est bien là. On est bien là. Vas-y, spam. Joli. Mama. Ouh. C'était le dernier obstacle à faire, j'ai l'impression. Hein. Voilà, je peux plus monter et descendre. Ah, on les a eus, c'est cool. Bravo Moussaillon, nous voilà sortis des rapides en un morceau. Alors, ça valait le détour, pas vrai? Pfiouf, on a frôlé la cata d'un peu trop près à mon goût. Surtout que je sais pas nager, moi. Tu t'es pas foulé sur la pêche aux pièces, hein? Tu sais qu'il y a un prix à la clé si tu chopes... Me dis pas toutes les pièces. Ou je sens que ça va être compliqué à faire ça. Ou je sens que ça va être compliqué si on doit choper toutes les pièces. J'ai pas vu ce qu'il a dit à la fin. Je ne me rappelle pas si j'ai déjà voyagé en barque, mais je trouve ça plutôt agréable. Agréable et pratique. On peut suivre le serpentin bleu sans se laisser distraire. Prochaine station, Moussaillon! Avec un petit air japonisant ici. Trop bien. Bienvenue à Shogunland. C'est drôlement prisé ce bazar. Vous pouvez me croire, il y a des serpentins, des attractions, tout le tintouin. Attends, j'ai bien entendu. Tu veux dire que c'est... un parc d'attractions? On y va, allez Mario. Quel serpentin il est là-haut, hein. Puis au loin là-bas, c'est le château de Shogun, de Shogunland. Tout le monde le connaît celui-là. Oh, le serpentin bleu s'est enroulé autour du château. Eh bien, si je m'étais douté qu'il nous mènerait ici, waouh, que faire, que faire? Je ne vois qu'une solution, Mario. Il faut qu'on aille à Shogunland. Pas le choix. Bon, on entre. Reste pas planté là. Je peux pas me faire. Tu peux pas me faire ça, s'il te plaît. Je veux y aller. Ce n'était pas toi qui parlais de ne pas se laisser distraire. Tu es sûr que tu resterais concentré dans un environnement pareil? On peut aussi continuer à descendre la rivière. Hein. Y a le Val au vent, pas loin, c'est toi le chef. Chef. Débarquez ici, quand même. Parce que là, il faut qu'on arrête l'épisode. On est à 50 minutes, c'est pas mal. Hein. Youhou! Je savais que j'arriverais à te convaincre, Mario. Compris, amusez-vous bien, Moussaillon. Je vous attends là. Génial! Oh, ça va être super, je le sens. Shogunland, nous voilà!
Le serpentin bleu, lui, est totalement sorti de l'esprit. Ah, totalement, ouais. Est-ce qu'on a un petit point de sauvegarde quelque part où on peut sauvegarder après tout le dialogue qu'on a eu? Yes. Cette grâce. L'amour t'échappe? Sois le bienvenu chez le champignon des cœurs perdus. À Toddville, pour te donner du cœur, l'édifice de Bride Rouge attend son heure. Ok, donc lui, c'est un habitant de Toddville. Voilà, sauvegardé. On s'arrête là, du coup, pour cet épisode, les amis. J'espère que celui-ci vous aura plu. Ce sera bien, amusé sur la barque. Je vais arriver à parler. Apparemment, il y a des choses à faire avec les pièces. Faudra qu'on regarde ça de plus près plus tard. Mais moi, en attendant, je vais vous laisser là. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.